Naïm Catan est un écrivain, un intellectuel, un éditeur et surtout un amoureux de toutes les cultures. C'est un grand du 20e siècle. Que dis-je? C'est un géant du 20e siècle. Laissez-moi vous raconter son histoire, mais aussi un peu l'histoire des Juifs au Québec. Naïm Catan est né en 1928, en Irak. De confession juive, il est confronté à l'antisémitisme lors du Farhoud, un pogrom contre les Juifs de Bagdad, en 1941. Catan, alors jeune étudiant, se réfugie dans la littérature et se donne pour mission de faire connaître les auteurs francophones à tous ses compatriotes irakiens. En 1947, récipiendaire d'une bourse du gouvernement français, il part étudier à la Sorbonne à Paris, où il rencontre de grands penseurs. Camus, Gide, Mauriac, Claudel. Il va sans dire qu'il vit une sorte de seconde naissance. Et je vous le cite, « Je suis née à nouveau à Paris, où j'ai découvert en vrai, et pas seulement dans les livres, la culture et la civilisation de l'Occident. » Puis, il décide d'émigrer à Montréal en 1954. Dès lors, le français est pour lui un choix de cœur qui définit toute son action et toute son œuvre littéraire. Il avait l'habitude de dire « Ma troisième naissance la plus fondamentale s'est faite à Montréal, une ville qui contient toutes les autres, où toutes les ethnies, les religions et les langues survivent, mais où il doit y avoir une langue commune pour que les gens puissent s'entendre et se parler. » Le français. Le français comme grand espace de pacification. Il se lie d'amitié avec plusieurs intellectuels et écrivains québécois comme André Laurendeau, Jean-Étienne Blais, Jean-Guy Pilon, Nicole Brossard, Gaston Miron, Jacques Godbout ou encore Jacques Allard. Homme de lettres, Naïm Catan est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, dont Le réel et le théâtral, Adieu Babylone, mémoire d'un juif d'Irak, Farida, Carrefour d'une vie, et N'aie pas peur de la nuit. Revenons dans l'histoire pour bien comprendre la présence juive au Québec. Dans la deuxième moitié du 18e siècle, on voit arriver des Juifs comme Samuel Jacobs ou encore Aaron Hart. Oui, oui. Comme le trophée Hart au hockey, ça vient de sa famille. À l'exception d'Esther Brandeau, une jeune fille répertoriée à Québec pendant un bref moment sous le régime français, l'histoire de la présence judaïque au Canada et au Québec commence vraiment avec la conquête. La première synagogue au Canada est fondée en 1768 à Montréal par des Juifs d'origine britannique ou allemande pratiquant le rite séfarade. La synagogue prend son nom au milieu du 19e siècle alors que des Juifs originaires d'Europe de l'Est, qui pratiquent le rite ashkénaz, émigrent massivement à Montréal. Ayant progressivement occupé des lieux situés dans le Vieux-Montréal, dans l'actuel quartier chinois ou au centre-ville, la synagogue Spanish and Portuguese est aujourd'hui installée dans Côte-des-Neiges. Dans les années 50, l'arrivée massive de ressortissants juifs séfarades, issus surtout du Maroc, mais aussi de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, et d'Irak force la Spanish and Portuguese à s'adapter. Les cultures et les pratiques religieuses sont fort différentes, même si les racines séfarades demeurent communes. Naïm Catan est l'incarnation parfaite de cette ouverture. À Montréal, il s'implique entre autres au Cercle juif de langue française. Déjà, il saisit le potentiel d'éveiller les consciences aux différences culturelles des uns et des autres et de contribuer à l'intégration des Juifs au Québec français. En 1954, il fonde le Bulletin du Cercle juif, la première publication non catholique de langue française. En 1967, il commence à travailler en Ontario, où il pilote le service des lettres et de l'édition du Conseil des arts du Canada pendant près de 30 ans. Catan est un bâtisseur de ponts. Il contribue non seulement à tisser des liens entre la communauté juive et la nation québécoise, mais également entre les différentes communautés francophones du Canada. Homme de lettres,
Il participe à l'émergence d'un écosystème de maisons d'édition et dévoue sa vie à la vitalité de la littérature francophone. Naïm Katane est mort le 2 juillet 2021. Il aura reçu les prix Québec-Paris et Athanase David. Il a été membre de la Société royale du Canada, officier de l'Ordre du Canada, membre de l'Académie des lettres du Québec, chevalier de l'Ordre national du Québec et chevalier de la Légion d'honneur en France. À la lumière des honneurs qu'il a reçus, de la marque qu'il a laissée et de la profondeur de son œuvre, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que Naïm Katane est un géant de notre histoire.